Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, aujourd'hui, ça va être la troisième vidéo de notre série sur le module 1, auxiliaire de puériculture. Donc après, je pense que voilà, on va pas forcément faire absolument tous les cours en vidéo. Par contre, effectivement, bah voilà, on va continuer. Je pense qu'il y aura au total une dizaine de vidéos. Si ça vous intéresse, ce qui semble être le cas d'après certains commentaires, donc voilà. C'est des vidéos un petit peu bah, pour vous montrer plus concrètement le métier d'auxiliaire et pas juste s'arrêter à une définition, mais vraiment voir en profondeur un petit peu les cours, etc. Pour vous préparer tout simplement à rentrer en école d'auxiliaire. Donc avant de continuer, eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude. On est de plus en plus nombreux et ça, c'est bah, super cool. Du coup, le développement de l'enfant donc de 6 à 12 ans. Donc la définition pour entrer dans le vif du sujet, eh bien, le stade de développement de l'enfant de 6 à 12 ans est appelé stade de la personnalité polyvalente. Encore un terme un petit peu chelou. Il y en a beaucoup dans certains livres. Donc l'enfant va pouvoir multiplier ses expériences sociales dans la communauté scolaire et dans son groupe de copains. Le développement ensuite affectif et social de l'enfant. Donc qui est lié surtout au groupe familial. Donc la famille, en fait, elle a pour rôle de sécuriser l'enfant sur le plan affectif et joue un rôle fondamental dans son équilibre et son évolution. Son rôle est de l'aider à prendre confiance en lui. Elle doit savoir le soutenir et être à son écoute, mais elle doit aussi naturellement lui imposer des limites et l'enfant doit alors en subir pour la structurer. C'est peut-être un peu fort, mais voilà. En tout cas, il a l'enfant évidemment se heurte à certaines limites. Alors je lis en même temps sur mon ordinateur. Vous aurez noté que j'ai pris le téléphone aujourd'hui pour essayer d'avoir une qualité d'image un petit peu meilleure. Pour l'instant, j'ai pas de logiciel de montage, tout du moins sur mon ancien ordi. Qui m'a un petit peu claqué dans les doigts, donc il faudrait que je puisse me reconnecter, refaire le montage, renvoyer la vidéo. Donc là, je pense qu'on va faire un montage direct, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, le développement affectif et social de l'enfant, donc le groupe social, notamment l'école. L'enfant s'adapte généralement bien à l'école car il éprouve des sentiments collectifs. Donc il y a un esprit de corps social qui se développe. La vie de groupe est en fait indispensable à l'enfant. Alors ensuite, bah, il y a aussi les clubs sportifs. Donc le sport bah, développe l'émulation, la coopération, ainsi que le respect des règles du jeu, donc qui sont très appréciées de l'enfant à cet âge. Bon, il y en a qui trichent, mais en général, ça se passe plutôt bien. Observation, donc réflexion au rôle de votre futur rôle d'AP. Donc l'AP doit, au sein du groupe social, soutenir l'enfant dans son estime et son respect, donner à l'enfant des responsabilités qui correspondent à ses capacités, dépister les exclus et les intégrer, veiller à ce que l'enfant s'adapte bien à une nouvelle structure, surveiller les jeux de l'enfant, prévenir la violence, c'est mieux, gérer l'agressivité avec tact et fermeté, veiller à ce que les masses médias, TV, Internet, alors DVD, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, enfin moi j'ai repris dans les ouvrages que j'ai sur lesquels je me suis appuyé, mais bon, DVD, je sais pas trop si c'est vraiment un média. Pour un livre qui est sorti récemment, c'est bizarre, mais bon. Mais on va dire, voilà, veiller à ce que les médias en général ne nuisent pas à l'équilibre mental et physique de l'enfant. Parler avec l'enfant également, enfin, le rôle de l'AP, c'est aussi de parler avec l'enfant, l'écouter, déceler les non-dits, déceler ses problèmes. Et puis là, ensuite, on a une petite situation voilà, concrète, ce que j'aime beaucoup avec ce livre. En particulier, voilà, c'est qu'il y a vraiment des situations qui sont bah, tout simplement concrètes. Voilà. Donc là, on a Max, Lucas, Léo, 7, 9, 10 ans, qui jouent à la police, aux flics. Donc les enfants, en fait, ont vu un film à la télé hier soir. Ils endossent le rôle de personnage fictif, donc flic et truand. Une règle du jeu est imposée par l'un d'entre eux, Max, qui tire au sort pour savoir qui sera le policier. Donc c'est Lucas qui est désigné. Les autres enfants sont naturellement les truands. Lucas se lance à la poursuite du groupe. Dès qu'il touche l'un de ses camarades, celui-ci devient flic et bah là, Lucas vient de toucher Théo. Donc celui-ci va alors à son tour traquer la bande jusqu'à ce qu'ils soient tous éliminés. Au cours du jeu, les jeunes provoquent la police de toutes les façons possibles. Un élève de leur classe, Pierre, s'approche pour se joindre à eux. Et les enfants s'écrient en chœur: Oh, mais c'est le gros sac qui est là! Et donc, naturellement, bah, Pierre se sent très mal à l'aise, devient forcément tout rouge et repart dépité.
Et donc là, on a une petite note pour terminer. Cette situation permet tout d'abord d'observer l'intérêt des enfants pour un jeu de compétition. Donc le jeu de police qui a toujours eu beaucoup de succès, cela permet ensuite d'observer un cas d'exclusion du groupe, hein, naturellement, enfin naturellement. Un enfant, donc en l'occurrence Pierre, est mis à l'écart. Et c'est une situation fréquente, mais elle est évidemment très pénible à vivre pour celui qui en est victime. L'adulte, parent ou professionnel, devra y mettre un terme dès qu'il la repère. Il veillera à apprendre aux enfants à ne pas exclure l'autre. C'est une leçon de tolérance intéressante à cet âge-là. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous quitter avant que la vidéo coupe sur mon téléphone, parce que je sens que ça va pas tarder, parce qu'il a une mémoire toute pourrave. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas, enfin n'hésitez pas plutôt, vous faites comme vous voulez, mais voilà, likez, abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et vous retrouverez tous les liens, comme d'habitude, j'ai envie de dire, en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder, parfois il y a écrit plus. Vous trouverez des fiches de révision offertes pour commencer, pour devenir rentrer en formation auxiliaire de puériculture. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!